faut aller jouer dans le cœur de Toulouse, dit Pierre Rignoli avec Aurélie Samambolan, avec Armitage. Dylan Armitage qui repique vers l'intérieur, qui échappe au plaquage de Doucet, qui va filer vers l'essai. Il a marqué celui de la finale de H-Cup et il marque l'essai qui enterre sans doute définitivement les espoirs toulousains. Dylan Armitage, on aime ou on n'aime pas, c'est l'homme de la fin de saison de Toulon. Cette fois, pas de sourire, pas de riscus, pas de rictus, pas de chambrage, mais il sait que cet essai. That turned it. Seabray. Here's Sacchi. They're sensing that they can maybe go for the kill here. And Sacchi, has he got there? He has. Paul Sacchi. The man has been told, I don't know if it's directly, but perhaps certainly indirectly, that this club don't want him anymore. Well, what a way to reply. Bien arraché la part. Oh, il y a du ça, ça c'est un ballon d'essai, il va y aller où? Il va aller à la course. Il va seconde de cette rencontre. Regardez cette belle action avec Fautou et Loua qui est servi à hauteur et plus personne ne va le revoir. Il est entré quelques minutes seulement auparavant sur la pelouse. Il défonce totalement les deux derniers défenseurs et s'en va inscrire plein de rage ce dernier essai. 41-13. Alors à ce moment-là pour Toulon, la sirène retentira quelques secondes plus tard. Mais Fautou et Loua aura fait lever le stade de Mayol pour cette dernière levée justement ici à domicile dans ce stade qui reste pour l'instant et bien passé main avec Maxime Mermoz qui va rentrer la course. Et voilà, c'est un cadeau qu'a délivré Maxime Mermoz à Théo Belan. Un franchissement, la tête levée, un décalage.